c'est Mila. Et mon animal magique parfait peut se transformer en tout ce que je veux. C'est génial d'être un ninja. Mon père aussi est un ninja. Ça fait mal. Ne t'inquiète pas, Hugo. Seul un vrai ninja peut frapper à travers une planche. Wow. C'est génial, Morphel. Mon manuel de ninja dit: un vrai ninja ne peut pas seulement percer une planche, mais il peut aussi très bien grimper. Ninja Morphel peut grimper. Les ninjas peuvent sauter très loin et très vite. C'est génial. Aussi, un ninja peut se cacher partout. Se cacher? Wow. Où est-il allé? Je sais pas. Oh, tu es là. Tu es vraiment bon pour te cacher aussi. Et maintenant, tu n'as plus qu'à couper des fruits en l'air. Maintenant, tu es un vrai ninja. Quoi? Un vrai ninja? Les bandits? Non, aujourd'hui, nous sommes les maîtres bandits... les maîtres ninjas. Oui, comment Morphel peut-il être un vrai ninja s'il ne connaît pas le mouvement super secret des ninjas? Wow! Quel est le mouvement ninja super secret? Morphel veut apprendre. Morphel veut être le meilleur ninja. Bon, alors voilà. Écoute attentivement. D'abord, tu dois aller à l'école. Mais personne ne doit te voir y aller. Ensuite, tu dois trouver une jolie fleur jaune. La mettre sur ta tête. Et tu dois danser avec. Maintenant, Morphel apprend les mouvements ninja super secrets. Nous pouvons kidnapper Mila. Oh non! Mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Pour tendre un piège à ton ami ninja, bien sûr. Ah, pour tester le super mouvement secret des ninjas. Bonne idée. Morphel, à l'aide! Morphel, à l'aide! Mila! Morphel est un ninja! Ninja grimpe! Ninja saute! Qu'est-ce que c'était? Les ninjas se cachent. Je ne vois pas Morphel, Stan. Tada! Morphel, tu es là! Je vais activer le piège, Yann. Mouvement ninja super secret. Il est en train de le faire, Stan. Oh non, c'est une abeille. Cours, Stan. Te voilà. Les bandits ont fait tout ça pour toi. Oui, merci les bandits. C'est ça. Mister Action. Tu devras d'abord vaincre ma voiture vivante. Oh non! Abandonne, Mister Action. Ah! Oh, c'est pas juste. Yeah.
Je vais prendre ça, petit bonhomme rouge. Et si tu essayes de me suivre, tu devras d'abord vaincre ma voiture vivante. Oh, oh non! Ne t'inquiète pas, on va l'attraper, Morphel. Et Mimi, remets cette voiture dans son état normal. Oh oh! On va devoir trouver quelque chose de mieux. Morphel, transforme-toi en super-héros! Maintenant, survole-le, Morphel! Et si tu veux vraiment ta poupée, tiens, prends-la. Oh non, Mister Action. Non, attends, Morphel. On doit attraper Professeur Evil. Arrivez! Libérez-les ou subissez-en les conséquences. Monsieur Action est toujours en train de tout gâcher. Eh bien, pas aujourd'hui. Allons-y. Hey, où allez-vous? Hey, ça, c'est pas juste. Ouf, je suis contente que tout soit rentré dans l'ordre. Hé, hey, Mila et Morphel, ma maison a disparu. Vous savez quelque chose à ce sujet? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, bonjour. J'ai un problème pour lequel j'espérais que vous pourriez m'aider. Ah, qu'est-ce que c'est? Eh bien, voyez-vous, cette partie de la ville a beaucoup d'arbres et de plantes. Mais le reste de la ville pourrait bien en avoir besoin. Peut-être qu'un de vos animaux magiques pourrait aider à transporter des arbres de la forêt vers la ville. Avec l'aide d'Animi, les arbres pourraient marcher jusqu'à la ville eux-mêmes. Super! Maintenant, c'est à toi, Animi. Tu vois tous ces arbres? Ils doivent aller à la ville. Waouh! Peux-tu trouver un bel endroit dans la ville? Elle a besoin de plus d'arbres. Animi, tu vas bien? Animi a besoin d'un peu de repos. Mais quand il sera reposé, il donnera vie à beaucoup, beaucoup plus d'arbres. Pourquoi n'allez-vous pas voir si tout se passe bien avec les arbres dans la ville? Ouais.
ville. Vous devez bouger, monsieur arbre. Oh! Pas par là! Maintenant, je ne peux plus rentrer à l'intérieur. Quoi? Ah non! Maintenant, je peux plus continuer à construire. Hein? Pas encore. Bonjour, monsieur le maire. Ah, vous êtes là. Cette histoire d'arbre ne marche pas du tout. Oh oh, comment pouvons-nous aider? Pourriez-vous renvoyer tous ces arbres, s'il vous plaît? Bien sûr. Transforme-toi en hélicoptère. Et dis à ton papa d'arrêter d'amener tous les arbres. Animi, arrête de donner vie aux arbres. Qu'est-ce qui ne va pas, Mila? Les arbres causent toutes sortes de problèmes dans la ville. Oups, on va arrêter. Pas dans ma ville. Merci, Mila et Murfel. Merci, Murfel. Maintenant, je peux enfin retourner à l'intérieur. Quoi? Où sont passés les arbres? Je pense que cette fois, c'était le dernier. Ouais! Nous avons ramené tous les arbres, monsieur le maire. Wow! Oh oh! On va le ramener. Pas besoin. Celui-là peut rester. Ouf! Ouf, j'ai besoin de respirer. Ouf. Tu ne pourras jamais nous attraper, Murfel et moi. Ah. Oui, c'est vrai. Oh là là, je ne peux plus suivre ces enfants. Enfin, l'un de moi ne peut pas. Mais je parie que d'autres moi le pourraient. Salut, papa. Hey! Maintenant que je me suis reposé un peu, je me sens beaucoup plus rapide. Et si on faisait une petite course jusqu'à la place du village? Vraiment? Bien sûr! Murfel, transforme-toi en voiture de course! Personne n'est plus rapide que Murfel! Pauvre papa! Non, vous n'avez pas gagné. Je suis arrivé depuis un bon moment. Wow! Quoi? Comment as-tu fait ça? Je me sens beaucoup plus rapide. Pourquoi ne pas réessayer? Faisons la course jusqu'à l'arbre le plus haut à côté de la ville. Ouais! Mais c'est si loin! Tu ne veux plus faire la course avec moi? Si, je veux! Ok, on y va! Vous êtes arrivé. Super. Vous avez été plus rapide que je ne le pensais. Comment c'est possible? Faisons une course jusqu'au sommet de cet arbre. Ouais.
Faisons une dernière course pour rentrer à la maison. Je suis un peu fatigué. Nous devons gagner cette course, Marfel. Yeah! À vos marques, prêts, partez! Marfel, transformez-toi en fusée! Nous devons aller plus vite, Marfel! Marfel, essaye! Marfel, trop fatigué! Oh, je suis désolée, Marfel! Tu vas bien? Oui! Eh bien, qu'est-ce que nous avons ici? Merfel est trop fatigué pour nous arrêter, Stan. Roule-moi! Oh non, je ne pensais pas. Bye bye! Qu'est-ce que vous croyez faire? Oh! Ah! Ah! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Rendez-le-moi. Bien sûr! Nous ne faisions que plaisanter. Il y a vraiment trop de toi. Je voulais vous faire une petite farce. Et Doubleur m'a un peu aidé en me doublant 5 fois. J'ai fini par vous rattraper. Vous étiez tellement rapide. Merci de porter tous mes livres, Marfel. Marfel, super. J'ai besoin de ton aide. Ce coquin de Sweeperbug a volé mes lunettes et les a cachées dans sa maison pour animaux. Ah, mes lunettes. Marfel fatigué. Marfel fait toujours tout seul. Oh, je suis désolé, Marfel. J'aimerais qu'on puisse faire tout ce que Marfel peut faire pour qu'il puisse faire une pause. Attends une minute, Mila. C'est une idée géniale. Voici le Glitterbug. Il peut transformer les humains en animaux de compagnie magique pendant une journée entière. Waouh! Tu peux nous transformer en Marfel? Waouh! Waouh! Oh! Nous pouvons nous transformer. Tu peux prendre tout le repos dont tu as besoin, Marfel. Je vais me transformer en fusée. Maintenant, comment est-ce que je vole? Est-ce que tu as vu ça, Stan? Si nous volons la Glitterbug, nous pourrons être des bandits, Marfel. Les bandits! Marfel, Oh, je peux me transformer moi-même. Mila, transforme-toi en voiture de course. C'est trop cool. Waouh. Wow. Mais pas facile. Comment je m'arrête? J'ai besoin d'aller plus vite. On n'arrivera jamais à attraper les bandits comme ça. Transformons-nous en un robot, papa. Un bateau. Allons-y. Wow. Oups. Papa, robot. Robot. Oh, un robot. Waouh. Non, Marfel, on s'en occupe. Tu étais fatigué de tout faire tout seul. Tu te souviens? Marfel pas fatigué si on travaille tous ensemble. Vous ne pouvez plus fuir, bandit. On n'a pas besoin de fuir. Glitterbug, transforme-nous aussi. Nous ne sommes pas Merfel, Stan. Non, mais vous êtes des animaux de compagnie magique. Oh non! Cours! Nous avons sauvé Glitterbug.
c'est d'accord. Maintenant, c'est l'heure de la fusée. Le zoo est vraiment passionnant. Mais j'ai besoin d'une pause. Pourquoi n'iriez-vous pas jouer au ballon? Reposez. Continuons. Thank you.
Qu'est-ce que tu fais à courir dans le zoo? Les animaux! Les animaux! Revenez! La ville est dangereuse! Qu'est-ce qui ne va pas, gardien de zoo, Kenneth? Quatre des animaux se sont enfuis dans la ville, en jouant avec une balle. Oups! Ne t'inquiète pas, on va s'assurer que les animaux reviennent. Morphel, transforme-toi en voiture de course! Je ne savais pas qu'il y avait une parade. Arrêtez-vous, les animaux! Animaux s'arrêtent pas! Ils pensent que c'est un jeu! Et je parie qu'ils peuvent s'arrêter si on leur prend la balle! Morphel prend balle! Presque! Mais qu'est-ce qui se passe? Ah! Désolé, monsieur Vanderbouze. Mila et Morphel, j'aurais dû m'en douter. C'est notre chance. Transforme-toi en fusée. Jouer n'importe où. Mais par contre, vous pouvez jouer à la balle dans un endroit sécurisé. Oh, vous êtes là. Avez-vous arrêté les animaux? Nous ne pouvions pas les empêcher de jouer avec la balle, mais nous les avons mis en sécurité. Oh, c'est génial! Merci, Mila et Morphel. Morphel, transforme-toi en un gros T-Rex. Waouh, Morphel, c'était vraiment fort. Merci. Regarde, Morphel, la moitié de la ville est endormie. Je parie que c'est l'animal magique qui a fait ça. Ça a l'air dangereux. Nous devons arrêter cette foreuse, Morphel. Es-tu prêt, Maximilien? Non, Max! Qu'est-ce que tu fais? À l'aide! Quelqu'un! À l'aide!
transforme-toi aussi en éléphant et mets-lui de l'eau sur le visage. Ouf! Merci, Mila et Merfel. Continuons à chercher. Merfel, transforme-toi en avion. Mila, regarde-moi. Je ne te vois pas, papa. Lève les yeux. Salut. C'est trop cool. Ouais. Enfin, elle veut jouer aussi. Méchant papa. Laisse-moi partir, Orphel. Orphel aussi. C'est pas génial. Non, ce n'est pas génial. Ça y est, j'ai une idée. Et si nous faisions une course? Quoi? Ce serait amusant. Ok. Le premier qui atteint le sommet de la montagne gagne. À vos marques, prêts, partez. Non! Arrêtez ça! Waouh! Eh bien, ils sont rapides, ceux-là! Ils font la course jusqu'au sommet de la montagne! Eh bien, j'ai une récompense pour ça! Allez, c'est parti! Vous les avez bien nus. Et c'est assez intelligent. Bien joué, Merfel. Je ne me suis jamais senti aussi fort. Je crois que je connais un raccourci. Va par là-bas, Merfel. On les a semés, Orphel. Ouais. Quoi? Fais quelque chose, Orphel. Oh, c'était génial. Voilà la montagne.
Marfel, trop fatigué. Marfel, aussi. Je vais gagner la course pour toi, Marfel. Non, sûrement pas. Qui a gagné? Je crois que c'est égalité. Égalité? Ne t'en fais pas, Mila. Un bon arbitre a toujours au moins deux récompenses avec lui. C'était super, Marfel. Je suppose que c'était assez amusant. Je crois que c'était un tremblement de terre, Marfel. Oh non! J'espère que tout va bien pour tout le monde. Mila et Marfel, dites, est-ce que vous savez qui a fait ce trou? Non, mais on essaie de le découvrir aussi. Ah bah tant mieux, parce qu'ils ont aussi pris mes matériaux de construction. On va garder un œil sur eux. Allez, allons-y, Marfel. Oh, Mila! Quelqu'un a creusé ce trou et a pris toute la nourriture pour les animaux magiques. Oh mon Dieu! Nous devons trouver rapidement cette personne, Marfel. Regarde, Marfel, c'est Earthshark. Nous ne sommes pas en colère. Tu as seulement pris ces choses pour construire une maison pour ta famille. Oh, c'est trop mignon. Marfel, aidons-les à construire une grande maison. Transforme-toi en grue. Besoin d'un petit coup de main supplémentaire? Maison. Mais la prochaine fois, s'il te plaît, demande-nous si tu as besoin d'aide. Et maintenant, je crois que nous avons des trous à reboucher. J'ai l'impression qu'il veut nous aider. Super! Alors nous aurons fini en un rien de temps. Ok, c'était le dernier trou. Merci pour toute l'aide et bonne chance avec ta nouvelle maison. Attention, Morphle. Téléfox a la grippe des animaux de compagnie magique. Tu devrais donc garder tes distances pendant un certain temps. Wow! Tu ne vas pas tomber malade, papa? Il n'y a que les animaux magiques qui peuvent attraper cette maladie.
Téléfox et moi allons rester à l'intérieur pour nous assurer que les autres animaux magiques ne peuvent pas attraper la grippe. Pas de jeu ? Ne t'inquiète pas, on peut toujours s'amuser à l'intérieur, n'est-ce pas, Téléfox ? Regarde ! Je me demande comment c'est arrivé. Je pense que Chroma a aussi la grippe des animaux magiques de compagnie. Ne t'approche pas trop, Morphelle. Bonjour, monsieur le peintre. Salut, Chroma. Je crois que tu as aussi attrapé la grippe magique, Chroma. Alors c'est ça. Chroma a commencé à éternuer juste après qu'une grosse bulle ait éclaté devant elle. Jusqu'à ce que tu ailles mieux pour ne pas rendre malade d'autres animaux magiques. On peut toujours s'amuser à la maison. Pense à toutes les peintures que nous allons faire. Mila, regarde. Une grosse bulle. Voyons d'où elle vient. Ramener Animi à la maison. Il a la grippe magique des animaux de compagnie. Oh non! Il est sûrement tombé malade à cause d'une de ses bulles dans l'air. Allez, viens, rentrons à la maison pour te soigner, Animi. Plus de bulles! Oh là là! Nous devons trouver d'où viennent ces bulles. Chez toi et rester à l'intérieur. Je ne pense pas que Boba veuille rentrer. Nous devons aller les chercher, Morphelle. Ok. Morphelle, pas malade. Oh. Est-ce que tu te sens assez bien pour courir après Boba? Oui. Tu es dehors et que tu es malade, tu rends plein d'autres animaux magiques malades aussi, y compris Morphelle. Achou! Et tu sais, on peut encore s'amuser beaucoup à la maison, n'est-ce pas, Morphelle? Ouais! Wow! Tu vois, Boba? Jouer à l'intérieur peut aussi être amusant. Regarde, Morphelle, il y a des dinosaures partout. Waouh! Mila et Morphelle, que pensez-vous de notre nouveau parc de dinosaures? Parc de dinosaures? Oui, le professeur Rachid et moi avons transporté ces dinosaures à notre époque. Parce que tout le monde aime les dinosaures, n'est-ce pas, mon cher ami? Bien sûr. Est-ce que ce n'est pas dangereux? N'importe quoi. Ces dinosaures-là ne mangent pas les gens, voyons. Eh bien, c'est bien. Par contre, ce T-Rex dans la cage... Ça ne semble pas très sûr. Ne vous inquiétez pas, c'est la cage la plus solide du monde. Mais ne touchez pas à ce levier. Il contrôle la porte. Regardez. Le levier est coincé.
seulement courez. Vite, Morphel, transforme-toi aussi en T-Rex. Retour au passé. Mila, deux des dinosaures se sont échappés en ville. Si tu les amènes ici, je pourrai les renvoyer dans le passé aussi. Très bien. Alors, allons-y, Morphel. Transforme-toi en hélicoptère. S'il vous plaît, arrêtez! Ce n'est pas un arbre! Il doit avoir très faim. On peut l'attirer avec quelque chose à grignoter. Transforme-toi en robot! Ramasse cet arbre, Morphel! Ouf! Oh là là! Quelque chose en dehors du parc. Pousse-toi de là, mon pote. Oh. Il est fort, mais pas autant que toi, Morphel. Transforme-toi en bulldozer. Merci, Mila et Morphel. Sans vous, on aurait été dans un sacré pétrin. Un travail remarquable. Mais que faire du parc? Il a l'air un peu ennuyeux sans les dinosaures. Eh bien, et si vous organisiez un pique-nique? Oui, un pique-nique avec des dinosaures. Les singes! Les singes! Bonjour, gardien des eaux, Kenneth. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, les singes ont encore disparu. Ils s'attirent toujours des ennuis. Je suis vraiment inquiet pour eux. Nous pouvons les trouver. Oui! Vraiment? C'est génial! Morphel, transforme-toi en hélicoptère! Les singes. Morphel, je sais pas. Quoi? Un singe? Je suppose que nous avons trouvé le premier singe. Mais où est-il? Il est juste là, au plafond. Changer la gravité du singe. Oui, et maintenant, il veut rester au plafond. Morphel peut l'attraper. Tu as réussi. Super. Savez-vous où les autres singes auraient pu aller? Êtes-vous sûr qu'un singe est allé en mer? Oh, singe!
Salut, monstre des nuages et singes. Oh, bonjour. Je me suis fait un nouvel ami. C'est super. Mais tu sais, nous devons ramener le singe et ses amis au zoo. Oh, bon, d'accord. Tu peux aller jouer au zoo avec eux si tu veux. Vraiment? Hein? Nous sommes de retour et nous avons amené un ami. Super, vous êtes là. C'est une journée vraiment chaude. Vous savez quoi? Je vais chercher quelque chose à boire. Construire une piscine dans le jardin, ça devrait vraiment nous garder au frais. On peut faire ça? Bien sûr. Marfelle, transforme-toi en pelleteuse. Tout ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de l'eau. Et de bouée. Et un plongeoir. Et de la limonade. Bien. Marfelle et moi, nous allons chercher de l'eau. Tu peux t'occuper du reste? Je le ferai. Transforme-toi en camion à benne, Marfelle. Mila, Morphle, attendez! Salut, Bob le fermier. Est-ce que tout va bien? Ah, il fait vraiment très chaud, hein? Mais mes melons ont besoin d'eau, sinon ils vont se dessécher. Oh, nous pouvons vous aider. Allez, arrosons ces melons, Morphle. Oh, merci beaucoup. Tiens, prends-en un. Oh, merci. Viens, Marfelle. Allons chercher un peu plus d'eau. Oh, Mila et Marfelle, c'est bien que vous soyez là. Il fait tellement chaud que l'étang du parc s'est asséché. Et maintenant, les canards n'ont plus d'endroit pour nager. Oh non. Alors donne-leur notre eau, Marfelle. C'était génial! Tenez, pour vous remercier, je vous offre cette boîte de glace. Yeah, de la glace! Wow! Ça a l'air super, les amis! Ok, Marfelle, allons remplir la piscine.
Coucou tout le monde. J'ai apporté de la glace. Oh, oh, c'est merveilleux. Morphle éclabousse. Ah, ces enfants sont tellement bruyants. Est-ce que ce serait pas Herfel? Tu ne voudrais pas m'aider à faire quelques farces à Mila et Morphle? Maintenant, Morphle. Hein? Je pense que je sais ce qui se passe. Écoute, Morphle, j'ai une bonne idée. Regarde, Morphle, tu pourrais écraser leur joli château de sable. Ouais. Faire une farce pour une fois. Oh, ouais. Salut, Monsieur Vandebouze. Coucou, Mila. Nous sommes désolés d'avoir été si bruyants, Monsieur Vandebouze. Nous ne le ferons plus jamais. C'est bon. Je suppose que je peux retourner arroser mon jardin. C'est étrange. Ah! Maintenant, je suis tout mouillé. Oh! 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 Mais que se passe-t-il? Mais d'où venez-vous? Oh non! Arrêtez de pousser! Maintenant, mon jardin ressemble à une jungle! Un tigre! Mais c'est vraiment devenu une jungle! Oh! Une pomme.
Une pour toi. Une pour toi. Hey, alors ça, c'est pas gentil, hein. Qu'est-ce qui ne va pas, gardien de zoo, Kenneth? Je crois que j'ai vu un morphle vert. Il m'a pulvérisé de l'eau au visage quand je nourrissais les éléphants. C'est sûr que ça ressemble à Orphel. On va le trouver. Hé, les éléphants, savez-vous de quel côté est parti Orphel? Merci. Allons-y, Morphel. Hé là, petit gars, qu'est-ce que tu fais par ici? Vous allez bien, Lorenz le bâtisseur? Ouais, ouais, je vais bien, ça va. Mais ne le laisse pas s'en tirer comme ça, hein. Quelque part. Abandonnerait si facilement, n'est-ce pas? Et si on essayait de jouer à cache-cache sans effrayer personne? Ok, tu ferais mieux de te cacher, parce que nous arrivons. Et voici Barry. Il a reçu une invitation de son neveu, Frank. Frank vit dans la jungle et il aimerait lui rendre visite. Mais je ne peux pas laisser le zoo sans surveillance. Est-ce que vous pourriez emmener Barry dans la jungle, Emila et Morphel? Bien sûr, gardien de zoo, Kenneth. Morphel, transforme-toi en hélicoptère. Ne t'approche pas trop, Morphel. Le volcan est très chaud. Frank. Frank aime les bananes, Barry?
pas dû les laisser tomber en se promenant. Si on suit les bananes, on trouvera Franck. Oh non! Un tigre! Transforme-toi en lion, Morphel! Ouf! Merci, Morphel! Oui, revenons à notre recherche. Oh non! Regarde! C'est l'éléphant qui laisse tomber toutes ses bananes, pas Franck! Tu veux qu'on te suive? Vous m'avez vraiment fait peur. Tenez, prenez ça. Merci, merci. J'adore Halloween. Ouais. Orphel effrayant. Orphel bonbon. Oh, un tigre effrayant. Ça fait vraiment beaucoup de bonbons. Oh, oh. Arrête, Orphel. Oh non, il a pris tous les bonbons pour les animaux magiques. On va les récupérer, papa. Transforme-toi en fusée.
qu'il reçoit des bonbons quand il fait peur à quelqu'un. Donc, nous allons devoir faire peur à Orphel pour lui reprendre ses bonbons. Morphel, transforme-toi en requin. On t'a fait peur, Orphel. Oh! Tu sais, Orphel, tu ne peux pas prendre les bonbons des gens. Mais par contre, si tu les rends, nous irons tous ensemble chercher des bonbons. Merci, Orphel. Nos bonbons! Et maintenant, es-tu prêt à aller chercher des bonbons, Orphel? Des bonbons, moi ça! Oh, tiens, voilà! Tu l'as très bien fait, Orphel! Yeah! Halloween amusant! C'est Halloween! Morphel, transforme-toi en un effrayant zombie! Ça, c'était vraiment effrayant. Waouh, ils sont vraiment effrayants. Plus de bonbons. Oui, Morphel, transforme-toi en dragon. Waouh. Oh, vous êtes tous les deux si effrayants. Nous n'avons aucun bonbon. Oh, regarde, Stan. Tellement de bonbons. Viens, on va les voler. Oh oui. Oh. Wow. Tenez, prenez des bonbons. Tada! Oh, oh non! Que s'est-il passé? Allons rechercher vos bonbons. Morphel, transforme-toi en Monster Truck. C'est le meilleur Halloween. Oui. Bondi, allons récupérer tous vos bonbons. J'ai une bonne idée. Par
ici. Oh, oh non. Laissez-nous partir. Vous pourrez avoir tous nos bonbons. Vous avez vos bonbons. Wow. Je pense que nous avons un gagnant. Je suis quasiment sûr que vous avez terminé en même temps. Wow! Maintenant, on fait la course jusqu'à la maison dans ma voiture. Wow! Orphel, héros aussi!
Merci, Murfel. Ah, au secours! Ah, non, pas dans ma ville. Vite, il faut ramener le tigre au zoo. Ok. Oh non! Vite, Murfel! Fais sortir les tigres de là! Ouf! Waouh! Regardez-moi ça! Une météorite! Murfel, arrête la météorite! Maintenant, la météorite se dirige vers la ville. Ah non! Arrête la météorite, Murfel! Bon travail, Murfel! Tu as arrêté la météorite! Tu es vraiment un super-héros, Murfel! Laissez-nous partir! Non, non! Nous avons besoin de vous pour notre piège pour attraper Murfel. Au secours! Au secours! Oh non! Nous devons les aider! Murfel, super-héros, au secours! Murfel, stop! C'est un piège! Murfel, aide! On t'a attrapé, Murfel! Attends! Ce n'est pas Murfel! C'est Murfel! Il est ici, Murfel! Murfel, peux-tu amener l'agent Freeze ici pour arrêter les bandits? Qu'est-ce que tu... Oh! Les bandits! Ha! Merci, Murfel! Merci de nous avoir sauvés, Murfel. Tu es un vrai super-héros. Et là, petit, qu'est-ce que tu penses de mon ami effrayant? Qu'est-ce que tu as fait, petit? Je me sens... J'ai peur des citrouilles! Et le prix de la citrouille d'Halloween la plus effrayante revient à... 'Ce prix est tellement effrayant. Mila, Murfel, ce n'est pas sûr ici. Il y a des citrouilles partout. Bien sûr, c'est Halloween. Mila, mes récompenses, essaye de m'attraper. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas, Murfel. Allons explorer. Thank you.
J'ai peur de ma crème glacée. Doucement, doucement, doucement. Ne me fais pas de mal. Doucement. Oh. Regarde, Marvel. Oh non, oh, j'ai peur de la science. Il a l'air si effrayé. Merci de venir avec moi chez le docteur, Morphel. Même si c'est un peu ennuyeux. Morphel aime le docteur. Ça fait plaisir à entendre. Maintenant, asseyez-vous là. Votre vue est meilleure ou pire? Pire. Et là? Mieux. Maintenant? Pas de changement. C'est terminé. Morphel veut faire un test aussi. Très bien, alors. Est-ce que ta vue est bonne, Morphel? Pas bien. Et là? Et maintenant? Oui, Morphel voit bien. C'est ce que je pensais. Je vais t'imprimer les résultats. Surtout, ne les mélange pas, Morphel. Oh! Bye bye! Hé! Hey, attends, Morphel! À la prochaine fois, docteur. Au revoir. Maintenant, laisse-moi voir mon test, Morphel. Oh, wow! C'est écrit que je n'ai plus besoin de porter de lunettes. Maintenant, fais voir le tien, Morphel. Oh, mince! On dirait que c'est toi qui as besoin de lunettes. On va les ajuster un peu pour qu'elles taillent bien. Es-tu heureux avec tes lunettes, Morphel? Oui, Morphel est heureux, mais Morphel voit mal. Moi non plus. Mais le docteur sait ce qu'il fait. Je pense que nos yeux ont juste besoin d'un peu de temps pour s'adapter. En attendant, pourquoi n'irions-nous pas jouer à la plage? Qu'est-ce que vous faites? Les gens ne sont pas très amicaux aujourd'hui. Wow! C'est une belle journée pour être à la plage. Ce sont les meilleures vagues que j'ai jamais vues. Mais tout ce sport m'a ouvert l'appétit. Allons-nous chercher de la glace, Morphel? Rafraîchissant. Attends, je regarde s'il est l'heure d'aller chercher Mila à l'école. Oh, c'est bon, on a encore le temps d'aller nourrir les animaux magiques au magasin, à Morphel. Je crois qu'il est temps d'appeler ton père. Je ne peux pas croire qu'il m'ait oublié. Je dois nourrir celui-là. Donne-moi la nourriture pour animaux magiques, Morphel.
qu'est-ce que vous faites? Êtes-vous aveugle? Loin de là. On vient juste de se faire contrôler les yeux, officier de police Freeze. Je ne suis pas l'agent de police Freeze. C'est Kenneth, le gardien du zoo. Hein? Tu es Kenneth? Peu importe. C'est Morphle qui a besoin de lunettes, pas moi. Hey! Regardez! C'est vous qui avez besoin de lunettes, pas Morphle. Hé! Hey! En effet, c'est pas l'animalerie magique. Oh non! Je crois qu'on a mélangé les résultats des tests. Oh, regarde l'heure! On doit aller chercher Mila à l'école, Morphle. Oh, Mila! C'est de là. Je suis content qu'ils aient Mila pour garder un œil sur eux. Très bien, les enfants. Aujourd'hui, vous allez vous rendre sur le lieu de travail d'un adulte qui va tout vous apprendre sur son beau métier. Nous allons passer la journée avec papa au magasin des animaux de compagnie magique. Ce sera facile. Non, non, non. Ça ne peut pas être ton propre parent. Peut-on passer la journée avec vous, officier Freeze? Pourquoi pas? J'aimerais vous apprendre l'importance de la police dans ma ville. Allons-y, Mila et Morphle. Très bien. Essayons d'attraper Morphle à nouveau. Oui, allons-y, Stan. Je ne les vois nulle part, Stan. L'école doit être fermée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ils sont peut-être quelque part dans la ville. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, officier Freeze? On va patrouiller? On rédige des contraventions? Normalement, je devrais déjà poursuivre les bandits. Mais je ne les ai pas vus aujourd'hui. Je peux enfin me détendre. Tenez, prenez un beignet. J'ai l'impression de ne pas avoir déjeuné depuis des années. Ils ne sont pas là non plus, Stan. Regarde mieux. Ils doivent bien être quelque part. Quoi? Les bandits mettent le bazar à l'école? Et aussi dans le parc? Pas dans ma ville. Allons-y, Mila et Morphle. Ouais! Ah, c'est l'officier Freeze. Cache-toi. Je ne vois les bandits nulle part. Ils ont dû aller ailleurs. Regardez-moi ce bazar. Ils ne s'en sortiront pas comme ça. Ouf! Il s'en est fallu de peu. Où devrions-nous aller maintenant? Eh bien, je ne sais pas. N'importe où, loin de l'agent Freeze. Je suis sûr que nous allons trouver Morphle tôt ou tard. Ils sont là! Restez dans la voiture, vous deux. Génial! On va enfin... Officier Freeze en action. Oh non. Arrêtez-vous tout de suite, bandit. Vous êtes en état d'arrestation. Arrêtez? Et pourquoi ça? Mais nous n'avons absolument rien fait du tout. Ouais, nous avons juste cherché Morphle pendant tout ce temps. Vous êtes en état d'arrestation pour avoir mis le bazar dans ma ville. Le bazar? Bon travail, officier Freeze. Mila et Morphle, pourquoi êtes-vous dans la voiture de police? Vous avez été arrêté aussi? Hé,
Hey, tu as vu ça, Yon? Le papa de Mila organise un barbecue. Oui, et nous n'avons pas été invités. Encore. Ya. Yeah. Oh, regarde, là-bas, Yon. Ah, c'est Murphel. Et personne ne garde un œil sur lui. On va essayer de l'attraper pendant que tout le monde est distrait. Je l'ai presque. Hé, hey, c'est les bandits. Ah zut, il nous a vu. Fouillon. Il nous a reconnus facilement. Yeah. Ah. Tu viens de me donner une idée, Yon. Oh, vraiment? Tu sais ce qu'on dit, Yon. La meilleure façon de se cacher, c'est d'être à la vue de tous. Suis-moi, Yon. Oh, bonjour. Je ne crois pas vous connaître. On s'est déjà vu? Est-ce que nous nous connaissons? Ça doit être une plaisanterie. Tu ne nous reconnais pas? Nous sommes tes frères perdus depuis longtemps. Voilà petit frère. Et moi, grand frère. C'est vrai que j'ai beaucoup de frères. Eh bien, profitez du barbecue. Laissez-moi vérifier mon album de famille. Je ne peux pas croire que ça a marché. Maintenant, on peut attraper Murphel. Ah, mais, il est où? Hey, frangin, vous êtes là. Une question. Une question pour nous? Comment se fait-il que vous deux ne soyez pas en photo dans l'album de famille? C'est parce que nous sommes... On est timide. Très timide. Mais vous n'avez aucune raison d'être timide. Vous avez peut-être l'air un peu bizarre, mais vous avez de belles barbes. Il nous a cru. Oui, cherchons à nouveau Murphel. Attends! Je l'ai eu, Stan. Tu l'as attrapé. Et maintenant, on fait quoi? Mais je ne sais pas. On n'a jamais été si loin. Aide-moi, Stan. Je ne vais pas pouvoir tenir plus longtemps. Oh non. Murphel fait ça tout le temps. Attendez, où sont vos barbes? Attendez une minute. Vous n'êtes pas mes frères. C'est vous, les bandits. Oh, bandits! Oh non, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Vous n'aviez pas besoin de vous costumer comme ça, les bandits. Si vous vouliez vous joindre à notre barbecue, vous n'aviez qu'à me le demander. Bien. Pourquoi ne pas vous joindre à nous? Tu entends ça, Stan? C'est la première fois que nous sommes invités à quelque chose. Ah ouais? Tu veux toujours attraper Murphel aujourd'hui? Non, non, non. Profitons donc de ce bon barbecue. Tu ne m'attraperas jamais. Oh, hey, Murphel. Murphel gagne. Non, Murphel, ce n'était pas juste. Mais tu veux jouer avec nous? Tu ne peux pas utiliser tes pouvoirs, par contre.
suis le chat. Prêt? J'étais presque. Hé, hey, ce n'est pas juste. J'ai dit pas de tour, donc pas de transformation non plus. Ne jamais attraper Orphel. Oh, je sais. Mais si on fait équipe, je suis sûre qu'on peut l'attraper. Transforme-toi en voiture de course aussi. On vient te chercher, Orphel. Mila, Murphel, par ici. Oh, c'est papa. Vous avez joué tout l'après-midi. Alors j'ai pensé que vous aviez besoin d'un rafraîchissement. De la glace. Merci, papa. On ne joue plus au chat? Non, Orphel. D'abord, nous allons faire une pause. Tiens, prends une glace. Oh, Orphel. Pas de roue. Amenons-la au garage. Maintenant, transforme-toi en dépanneuse. Avec ces roues, on va devenir des pirates de la route. On est plutôt des pirates de la terre, Maurice. C'est génial. Rendez-moi ça, les pirates. C'est Mila et Murphel. Nous reviendrons. Probablement. Oh, merci, Mila et Murphel. Oh!
Oh non! Le moteur de la voiture a disparu. Oh non! On va l'amener au garage pour la faire réparer. Ouais! Il y a encore des pièces de voiture qui ont disparu. Je me demande qui a bien pu voler toutes ces choses. Arrêtez-les! Ils ont pris ma récompense. C'est les pirates! Donne-nous ton chapeau! Allez! Pense! Mais c'était une bombe à eau. Ça ne marche pas. Avec tous les moteurs que nous avons pris, notre navire est trop fort pour être arrêté comme ça. Tire-leur dessus, Phil. Morphle ne peut pas l'arrêter. Oh, mince. Nous devrions les empêcher de conduire. Morphle, enlève toute la roue. Oh non! Arrête ça! Nous vous avons arrêté, pirate. Et maintenant, je vous emmène en prison. Puisqu'ils sont si bons en mécanique, pourquoi ne pas leur demander de réparer toutes les voitures à ma place? Bonne idée! Ouais! Voiture réparée. J'ai vraiment apprécié, Maurice. J'ai vu assez gros pour un moment. Enfin! Le dernier cadeau de ce soir. Après celui-ci, nous pourrons rentrer à la maison. Oh non, mes reines ont disparu. Oh, pourquoi sont-ils partis? Quoi? Père Noël? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, Mila et Merfel. Oh, c'est terrible. Mes reines ont disparu. Oh non! Où ont-ils pu aller? Je n'en ai aucune idée, mais je dois les retrouver. Mila et Morphle, vous voulez bien m'aider? Bien sûr, Père Noël. Morphle, transforme-toi en reine. Allons-y. Allez. Je n'arrive pas à croire que c'était si facile de voler les rênes des Pères Noël. Oui, Stan. Et maintenant, nous avons notre propre traîneau volant. Oui, et nous pouvons facilement voler les cadeaux de Noël par les cheminées. Oh oui. Et enfin des cadeaux pour nous. Oh, regarde tous ces cadeaux, Stan. Oui. Oui, tout est à moi. Tu ne veux pas dire à nous? Oh, bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Allez, allons à la prochaine maison. Oh, regarde, là-bas. Oh, vous avez trouvé mes reines? Non, c'est un cadeau de Noël. Un cadeau de Noël? Abandonné par terre? Comment est-il arrivé là? Oh, regardez! Un autre! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas, mais si on suit la piste des cadeaux de Noël, je suis sûre qu'on va les découvrir.
à Noël. Je vais juste jeter un petit coup d'œil à mes cadeaux. Oh, je suis désolée, Père Noël. Je voulais pas regarder. Waouh, regarde tous ces cadeaux. Merci, Père Noël. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Laisse ça. Ces cadeaux sont à nous. Non, il y a mon nom dessus, juste ici. Ah, espèce de petit. Stan, attention. Ah non. Père Noël, regarde, là-bas. Oh, ce sont mes reines. Hein? Ce sont les bandits. Et ils ont tous les cadeaux de Noël? Oh, 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 j'aurais dû me douter que c'était vous deux qui aviez volé mes reines. Hé, hey, Mila et Morphle, vous êtes aussi là pour recevoir vos cadeaux? Hein? Hugo? Merci pour le cadeau et la balade amusante, Père Noël. Ah, c'est le meilleur Noël de tous les temps. Je suis content que tu te sois amusé, Troy. Mais à cause des bandits, j'ai du retard et je dois encore livrer tous ces cadeaux de Noël. Et vous deux, vous allez rester là pour réfléchir à ce que vous avez fait. Allez, Hugo, on va te ramener à la maison. Oui. Stan, le Père Noël nous a vraiment laissés ici? Non, je suis sûr qu'il va revenir nous chercher. N'est-ce pas? Cette année, nous avons tellement de cadeaux. Je ne peux pas tous les apporter en ville tout seul. Waouh! Ne vous inquiétez pas, Père Noël. Nous allons vous aider. Morphle, transforme-toi en traîneau. Oh, 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 oh! Allons en ville! Oh! Morphle, plus rapide! Hein? Va après eux, Morphle! Wow! Fais attention, Morphle. Nous sommes presque de retour en ville. Maintenant, je ne pourrai jamais mettre tous ces cadeaux sous les sapins de Noël à temps. Nous sommes désolés, Père Noël. Oh, Morphle, on va voir qui peut trouver le plus de cadeaux et les ramener. Vous avez sauvé Noël. Merci.
Réveillez-vous, Mila, Murfel et Orfel. C'est l'heure de déballer les cadeaux. Oh non! On dirait bien qu'on n'a pas trouvé nos cadeaux. Oh, oh, oh! Le dernier, mais pas le moindre. Je n'aurais jamais réussi sans votre aide. Yeah! Youhou! Qu'est-ce qui se passe ici? Murfel et Orfel jouent au loup. Ce n'est pas une excuse, Murfel. Oh, Murfel nettoie tout. Merci, Murfel. Cette poutre doit être allée là.